vous présenter. Merci, prophète. Alléluia. Amen. Je suis maman Mistam Julienne. Je veux d'abord rendre grâce à Dieu avec une petite chanson. Allez-y. J'ai marché, marché, personne, personne. Alors, je veux témoigner que j'ai tellement marché pour chercher Dieu, pour chercher ma délivrance. Mais Dieu, dans ma marche, Dieu m'a conduit dans le ministère du prophète Joël Casso. Et il m'a utilisé pour me délivrer. J'avais un problème. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'était comme s'il y avait un signe sur moi pour que tout le monde cherche à être mari de lui sur moi. C'est-à-dire que je dis même bonjour à quelqu'un, il devient mari de lui. La nuit, tu le vois. La nuit, je le vois. J'appelle quelqu'un pour faire les travaux chez moi. La nuit, je le vois. Je suis parti, partout où j'ai été, ici, là, c'est le troisième ministère où je viens. On disait que c'est parce que je regarde les hommes. Et quand on regarde les hommes, on a déjà péché. C'est pour ça que je ne peux pas aider. Je dis, mais j'ai les yeux. Les yeux que Dieu m'a donnés, c'est pour regarder. Qui est-ce qui ne regarde pas? Donc, et puis quand un essayait de faire que je sois délivré, on l'attaquait. Donc, je suis vraiment sûr que le prophète a été attaqué comme il a fait un travail sur moi. Parce que j'ai remarqué que quand un essayait de me délivrer, il était attaqué et il faisait le compromis avec l'autre côté. Et puis finalement, il commençait à dire des choses pour que je sois toujours comme je suis là. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu déjà en buvant lui qu'il y a une amélioration. Amen. Mais j'ai compris, j'ai alors eu un combat exceptionnel. Mais comme je tiens toujours ferme, parce que moi, j'ai donné ma vie à Christ. Ce n'est pas à moitié. Je savais que ma délivrance, ce n'est qu'en Christ. Donc, j'ai tenu ferme. Alors, le prophète a prié pour moi. Et je suis délivré des maris de lui et des femmes de lui. D'ailleurs, j'ai une offrande d'action de grâce que je dois donner pour sceller ma délivrance. Amen. Je m'en veux chercher pour ça. Que je ne puisse pas retrouver le droit chemin. Mais
parce que j'étais orpheline. J'ai dû faire des choses pour survivre. Donc, j'ai grandi. Les hommes ont commencé à me regarder. Et comme je n'avais personne qui m'a conduit, qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, moi, j'ai commencé aussi à sortir. Donc, tu aimes les orphelins. J'aime bien les orphelins. J'aime beaucoup les orphelins. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Serviteur de l'Éternel était avec moi. Ils te feront la guerre, il était vainqueur.